Le vinaigre de cidre associé au bicarbonate est-il une solution minceur? Qui ne s'est jamais posé cette question? Vous recherchez une méthode efficace pour éliminer vos kilos en trop? Les choix sont nombreux. Reste à trouver la méthode qui sera la plus adaptée à vos besoins. Pour maigrir rapidement, beaucoup de personnes pensent qu'il est nécessaire de suivre un régime draconien avec une alimentation unique et autres techniques très restrictives militaires. Et pourtant, il n'en est rien. Au contraire, ces techniques pourraient même être néfastes pour votre santé sur le long terme. Souvent, elles peuvent créer des carences, ce qui n'est pas ce que l'on recherche pendant une perte de poids. Pour maigrir rapidement, nous vous proposons donc de découvrir l'association du vinaigre de cidre de pomme et du bicarbonate de soude. Ces deux ingrédients sont souvent utilisés séparément ou même combinés, que ce soit dans la cuisine, pour prendre soin de votre maison et même en les associant, vous obtenez un remède véritable. Vous venez à bout des kilos en trop. Si vous souffrez de surpoids ou que vous ne savez pas comment éliminer cette graisse qui vous engraine la vie, ceci pourrait être un remède idéal pour vous. Je vous expliquerai tout au long de cette vidéo comment tirer avantage de ces deux ingrédients et l'effet qu'ils ont sur votre perte de poids. Mais avant d'aller plus loin, si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter et partager ce contenu pour que ça touche un maximum de personnes à travers vos réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Pinterest, Instagram et bien plus encore. Mes très chers, quels sont les bienfaits du vinaigre de cidre pour maigrir? On entend souvent parler des effets du vinaigre de cidre sur la santé. Ce remède est-il réellement efficace pour la perte de poids? Vous vous posez certainement cette question. Sachez que ce vinaigre est obtenu à partir de la fermentation de cidre de pomme. Ce processus de fermentation permet de conserver les bienfaits de ce fruit tout en ajoutant des effets supplémentaires pour la santé. Le vinaigre de cidre est riche en acide acétique, ce qui est un composé essentiel lorsque l'on souhaite perdre du poids. En effet, ces acides-là permettent de brûler la graisse stockée dans votre organisme, ce qui est idéal, encore une fois, lorsqu'on souhaite perdre du poids. La pomme est quant à elle riche en pectine, un autre élément essentiel pour rester en très bonne santé. La pectine est d'ailleurs responsable de la sensation de satiété. Grâce au vinaigre de cidre, vous pourrez donc limiter votre consommation en nourriture, ce qui aura un effet bénéfique sur votre perte de poids. Tous ces effets en font un très bon allié minceur, dont on ne se sera jamais parlé de ceci dans bon nombre de régimes et bien sûr, des personnes ont adopté ça simplement dans leur alimentation. Maintenant, vous allez me dire, oui, Rose, on a compris pour le vinaigre de cidre, quels sont donc les avantages du bicarbonate de soude? Ceci est tout aussi important. Il est possible de consommer ceci pour perdre du poids. Il est souvent utilisé en cuisine ou même pour les recettes pour prendre soin de l'intérieur, de la maison. C'est un produit qui est utilisé depuis très très longtemps pour rester en bonne santé. Sachez que les Égyptiens s'en servaient déjà il y a des milliers d'années. C'est pour vous dire à quel point ceci était important pour eux. Le bicarbonate de soude peut notamment permettre de stabiliser le pH de votre corps. Cette action permet d'éviter le stockage de graisse. Votre organisme ne sera pas acide, ce qui pourra aussi entraîner une perte de poids et même de muscles. En plus de cet effet, le bicarbonate de soude aidera aussi à diminuer votre appétit. De la même manière, vous pourrez vous en servir pour purifier le corps et même certaines zones ciblées telles que les cheveux, aider à la pousse des cheveux. Bref, son action se multiplie avec l'utilisation du vinaigre de cidre de pomme dans votre organisme. Maintenant, sachez que lorsque vous combinez ces deux ingrédients, leurs bienfaits sont innommables. Le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude regroupent donc d'importants bienfaits pour maigrir. Donc, vous pourrez vous aussi profiter de cette association qui est idéale pour éliminer les graisses stockées,
pour aider votre métabolisme et les différents processus de perte de poids de votre corps. Quand deux ingrédients sont aussi efficaces, leur mélange ne peut être que meilleur pour aider votre métabolisme. Bien sûr, pour aller plus loin, je voudrais vous dire que ceci est diurétique. Ça améliore la digestion, ça a une action brûle-graisse, ça réduit l'appétit. Surtout, ça prend soin de votre peau. Comme on a dit plus haut, l'effet purifiant des ingrédients peut aussi aider la peau. Ce mélange vous aidera à éliminer les impuretés qui peuvent être la cause des boutons et même des problèmes de peau. C'est bénéfique pour vos reins, pour la vessie, pour le foie. Encore une fois, cette préparation drainante aide à prendre soin de vos reins, de votre vessie pour protéger les organes et les maintenir en bonne santé. Maintenir un bon fonctionnement tout au long de plusieurs années. Vous allez me demander si ce mélange n'est pas risqué pour la santé. Non, ça ne l'est pas. Du moins, pour ceux qui n'ont pas de problème gastrique, ceci n'est pas un problème pour votre santé. Mais je vous conseille, comme toujours, de consulter votre médecin ou même votre spécialiste en cas de doute pour qu'ils puissent vous éclairer sur la situation. Maintenant, vous allez me dire, mais Rose, comment préparer ces deux ingrédients pour bénéficier au maximum de leurs bienfaits pour notre santé et surtout pour notre perte de poids? Si vous avez été convaincu et que vous voulez essayer cette préparation, la recette est très simple. Pour la préparer, vous devez avoir en votre possession un verre d'eau tiède, donc nous allons bouillir là, dans lequel vous allez ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme et de bicarbonate de soude. Voilà. Donc, votre verre d'eau tiède est là. Pour ajouter une cuillère de bicarbonate de soude et une cuillère de vinaigre de cidre de pomme. Moi, je rajoute un petit citron dans ma préparation, mais c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé comme je vous l'ai dit. Prenez cette boisson avant vos principaux repas de la journée. Comme je vous l'ai dit, ça va jouer un rôle coupe-faim et surtout, ça va vous permettre de maigrir plus facilement et plus rapidement. Pour qu'il puisse agir de manière efficace sur votre perte de poids, vous devriez le prendre le matin, ventre vide. Si vous souhaitez venir à bout de vos kilos en trop, consommez ce remède sous la forme d'une cure avant les repas principaux. Faites en sorte de prendre ce mélange 30 minutes avant de prendre vos repas. Pour bénéficier d'une part de son effet coupe-faim et d'autre part de son efficacité pour vous aider à maigrir. Vous verrez, les résultats devraient arriver très rapidement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, marquez-moi le mot minceur dans les commentaires et je saurai que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercierai personnellement et chaleureusement de me suivre et de m'accompagner dans cette aventure. Pensez aussi à vous abonner ici et à cliquer sur la clochette de notification. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.